Si cette visite s'inscrivait dans le cadre de la remise des vivres aux populations et des insignes aux chefs de village de la commune, elle a été une opportunité saisie par le gouverneur de la région d'inviter la population à la culture de la paix et de vivre ensemble entre les différentes communautés. Et également, nous sommes venus, pour les, comme je le disais, en soutien. Nous avons apporté au nom du chef de l'État des vivres, mais aussi ouvrir le marché. Faire comprendre à nos communautés, à nos populations, que ce marché est ouvert à toutes les personnes, à toutes les communautés, de quelques zones où ils se trouvent, et de se fréquenter. Et de faire comprendre, je lance sincèrement un appel vibrant à tous les acteurs sur le terrain, à tous les acteurs de permettre à ces populations de vaguer librement à leurs préoccupations. Nous sommes un peuple uni, nous sommes des Maliens, nous sommes complémentaires. Nous sommes vraiment complémentaires et nous devrons rester unis face aux défis de l'heure. Ces défis passagers, ça va finir. Sidi Mohamed El Béchi a exhorté la population à encourager le dialogue inter- et intracommunautaire pour une paix durable dans la localité. Nous n'excluons personne. Cette sécurité, c'est pour tout le monde. Cette route est fréquentée par toutes les communautés. Ce marché est fréquenté par toutes les communautés. Vous touchez quelqu'un, vous risquerez de toucher votre propre parent. Vous empêchez à un Malien de circuler sur cette voie, vous risquerez de tomber sur votre propre parent. Donc, il ne s'agit pas de dire que c'est pour une communauté ou une autre, c'est pour tout le monde. Et vous l'avez vu, il y a toutes les communautés du Mali, même ici, à Gundaga. Et c'est ça la force de cette région de Bayangara. Jadis, havre de paix et de stabilité. Mais nous sommes en train d'amorcer le retour de l'administration, le retour de la paix et la stabilité. Afin de rendre effectif le retour de l'administration dans cette localité, le gouverneur a procédé à l'installation du sous-préfet de l'arrondissement de Gundaga.